الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hakam. Alors que signifie déjà linguistiquement le mot Hakama, le verbe? Hakama signifie trancher, juger, prendre une décision, diriger. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on nous dit qu'il est Al-Hakam, eh bien il est celui subhanahu wa ta'ala qui émet des jugements, qui va trancher, qui va départager et qui va être celui qui aura le pouvoir absolu, comme si vous étiez dans un tribunal et qu'il y avait le juge qui est là à émettre le jugement, à émettre une sentence ou à émettre une décision pour dire qui a raison et qui a tort. Et ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakam, est particulièrement utilisé dans le Coran lorsqu'on parle du jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple « Allahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamah »« Allahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifoun » Allah nous dit subhanahu wa ta'ala « Yahkumu baynakum yawm al-qiyamah » Il est celui qui va émettre les jugements, émettre les sentences, trancher, décider, dire qui a raison et qui a tort, faire surgir la vérité, rendre justice. Quand ça? Le jour du jugement. Yawm al-qiyam. Et en particulier dans quelle situation? Fima kuntum fihi takhtalifun. Donc il y a une situation particulière pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala sera juge impartial le jour du jugement, c'est la situation des conflits. Lorsque deux personnes arrivent le jour du jugement et que l'un dit « Ya Allah, un tel a été injuste envers moi, un tel m'a insulté, un tel m'a frappé, un tel m'a volé, un tel m'a tué. Aujourd'hui, Ya Allah, je réclame justice. » Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son nom Al-Hakam, rendra justice. Allah subhanahu wa ta'ala est le jour du jugement Al-Malik, puisqu'il est Malik Yawm al-Din. Et il nous dit dans un autre verset Al-Mulku Yawma idhil lillah yahkumu baynahum. Pourquoi est-ce qu'il a cette autorité de juge le jour du jugement? Parce que le jour du jugement lui appartient. Qu'il a la souveraineté totale le jour du jugement. Lorsqu'on dit « Wa ma adraka ma yawmuddin » Allah répond « Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal mulku yawma idhil lillah » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce jour du jugement est le jour où personne ne pourra rien pour personne. Personne ne pourra lui-même décider de parler, ou lui-même décider d'intercéder, ou lui-même décider de changer son témoignage, ou lui-même décider de changer sa balance, ou lui-même décider de discuter avec quelqu'un pour essayer de négocier quelque chose. Ce jour-là, Allah sera Al-Hakam et Al-Malik et Al-Malik, celui qui détient l'ensemble de ce qui se passe le jour du jugement, celui qui a la souveraineté absolue et qui décide de tout ce qui se passe le jour du jugement sans que aucune personne n'ait plus aucun libre arbitre. Le libre arbitre que nous avons ici sur terre n'existera plus le jour du jugement. Il faudra prendre l'autorisation d'Allah pour s'exprimer, pour parler. On ne pourra parler que par sa volonté. On ne pourra s'excuser que par sa volonté. On ne pourra se prosterner que par sa volonté. On ne pourra sortir de l'obscurité et avancer que par sa volonté. Plus de libre arbitre le jour du jugement. Et donc les êtres humains viendront et demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala justice. Et donc Al-Hakam est celui qui rendra justice le jour du jugement. Mais lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakam, eh bien il faut rajouter deux autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour bien comprendre la manière dont Allah juge et la manière dont il rend la justice le jour du jugement. Ces deux noms sont Al-Haqq et Al-Adl. La première des choses, c'est Al-Haqq. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
qu'il est celui qui détient la vérité absolue. Et Al-Haqq signifie aussi le droit. Il est celui qui reconnaît le droit de chaque personne et qui lui rend de la manière la plus équitable qui soit. Et il dit dans un verset, « قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui, lorsqu'il juge, lorsqu'il tranche, lorsqu'il rend justice, le fait tout d'abord grâce à la vérité et en respectant le droit des êtres humains, le droit des uns et des autres. Donc Allah connaît le droit de chacun, il connaît les libertés de chacun, il connaît les devoirs de chacun et il connaît la vérité absolue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de caméra, il n'a pas besoin de témoignages, il n'a pas besoin de nos mémoires. Le problème, c'est que lorsque vous allez dans un tribunal ici, dans cette vie, eh bien il peut toujours y avoir une imperfection. Parce qu'on va appeler les témoins et donc c'est parole contre parole. Si une personne dit la vérité et que l'autre ment, on ne sait pas réellement qui a raison. Même lorsque les deux personnes disent la vérité, eh bien elles font appel à leur mémoire, une mémoire qui est imparfaite. Donc on a besoin d'aller chercher les informations dans notre mémoire pour nous rappeler exactement de ce qui s'est passé et dire un bon ou un mauvais témoignage. Et en plus de cela, notre mémoire ne contient que ce qu'elle a vu ou entendu. Donc tout ce que je n'ai pas vu, je l'ignore. Tout ce que je n'ai pas entendu, je l'ignore. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Sami', al-Basir, al-Khabir, al-Alim. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout ce qu'il se passe dans sa création. Il entend tout ce qu'il se passe dans sa création. Il a connaissance même de ce qui n'est pas visible et de ce qui n'est pas audible et qui se produit dans sa création. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait ce qui se passe dans nos cerveaux. Il connaît nos intentions. Il connaît nos pensées. Il connaît nos émotions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient Al-Haqq. Il est lui-même Al-Haqq. Et donc lorsqu'il juge, il fait son hukm, il le fait bil-haqq. Il donne son jugement, il rend la justice en prenant en compte la vérité absolue avec l'invisible et le visible que aucune créature ne pourrait obtenir. Donc son jugement est très bien documenté. Et il n'y a aucune faille dans la connaissance de la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient avant d'émettre un jugement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut coupler ce nom de Al-Hakam et Al-Haqq avec Al-Adl. Pourquoi c'est important de rajouter Al-Adl? Parce que vous pouvez avoir un juge ici dans cette vie qui a toutes les informations, qui a les bons témoignages, qui connaît 100% la vérité et qui sait exactement ce qu'il faudrait rendre comme sentence ou comme jugement, mais que ce juge est corrompu, ou que ce juge est affecté émotionnellement, ou que ce juge ne va pas bien dans sa tête, ou que la personne qui est jugée a des intérêts avec lui, ou que la personne qui est jugée est une personne proche de lui, comme un parent, comme son enfant, comme son époux ou comme son épouse. Donc il peut être impliqué émotionnellement dans cette sentence et dans ce jugement. Il peut être corrompu et être impliqué avec des intérêts personnels dans ce jugement. Il peut avoir une dent contre telle ou telle personne. Et donc il se peut que son jugement, même s'il connaît la vérité totale et absolue, soit un mauvais jugement et soit un jugement injuste, qui ne respecte pas donc Al-Adl. Donc Al-Adl signifie l'équité, la justice. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakam, celui qui tranche, qui juge, qui rend la justice le jour du jugement. Et il rend cette justice avec deux qualités et deux autres noms qui sont Al-Haqq, parce qu'il connaît la vérité absolue et qu'il ne peut pas se tromper dans son jugement et qu'il est Al-Adl, celui qui est incorruptible, celui qui est lui-même l'équité absolue, qui est lui-même le juste et qui ne peut pas du coup émettre un jugement par intérêt, par tel, avec telle ou telle personne ou un jugement qui est corrompu. Allah est équitable et juste envers ses créatures et il a la justice absolue au point où les péchés qui sont faits envers Allah, eh bien, Allah peut les pardonner lui-même, mais que si je fais une erreur envers quelqu'un, Allah ne peut pas me pardonner cette erreur tant que la personne
ne me l'a pas elle-même pardonné ou que cette personne n'a pas eu son droit et que son droit et sa justice lui auraient été rendus, subhanallah. Vous imaginez ce niveau d'équité et de justice au point où le Créateur des cieux et de la terre se plie et accepte la volonté d'une créature parce que cette créature a subi l'injustice, subhanallah. Et que Allah dit, si telle personne a subi l'injustice, eh bien son droit doit lui être rendu. Justice doit être faite. Et moi, Allah, le Créateur des cieux et de la terre, je ne peux pas effacer ça. Le Créateur des cieux et de la terre ne se donne pas le droit d'effacer ne serait-ce qu'une toute petite injustice qu'un être humain aurait fait envers un autre être humain, subhanallah. Donc Allah est Al-Hakam, il est Al-Haqq et il est Al-Adl, et c'est avec ces trois noms-là qu'il rend justice, qu'il tranche et qu'il émet ses jugements le jour du jugement où il juge, il est cette position de juge impartial envers l'ensemble de ses créatures et en particulier dans leurs divergences, leurs conflits, le mal et les injustices qu'ils se sont fait les uns les autres. Alors maintenant qu'on a compris ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, comment le vivre? Trois conseils pour vivre ce magnifique nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier conseil, eh bien, c'est nous-mêmes d'être justes et équitables à chaque fois que nous sommes dans une position où notre décision, notre parole, notre action, notre manière d'être, notre réflexion va donner un jugement et permettre de trancher entre des personnes ou de diriger dans une direction ou une autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addu l'amanati ila ahliha wa idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil'adl » Allah nous dit qu'il nous ordonne de rendre les dépôts aux personnes qui les possèdent. Donc je suis quelqu'un de digne de confiance. On me donne quelque chose, je le rends, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi de décider ce que j'en fais, je le redonne à la personne qui me l'a déposé, qui m'a demandé de le garder en attendant. Et deuxième chose qu'Allah nous ordonne, et subhanallah, c'est un mot qui est très fort, inna Allah ya'murukum. Dans certains versets, Allah nous parle de conseils. Dans certains versets, Allah nous parle de recommandations. Dans certains versets, Allah nous demande de ce qu'il attend de nous en nous montrant la voie. Ici, Allah est impartial. Même dans son ordre, il est impartial. Inna Allah ya'murukum. Je vous donne l'ordre. Parce qu'on ne rigole pas avec la justice. On ne rigole pas avec les droits des uns et des autres. Wa idha hakamtum an tahkumu bil 'adl. Si vous êtes dans une position d'émettre un jugement, de trancher, de prendre une décision, eh bien soyez équitable, soyez juste. Allah dit à Daoud, alors que c'est un grand messager, un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baynan nasi bil haqq » وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Il lui dit, oh toi Daoud, tu es dans une position de direction, une position de chef hiérarchique, une position de quelqu'un qui doit départager les conflits des êtres humains. Alors je te demande, ya Daoud, par ta position, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, c'est moi qui t'ai mis à ce poste. C'est moi qui t'ai donné ce pouvoir de trancher et de décider. Alors je te demande de le faire bil haqq, en suivant la vérité, la justice, l'équité, et de ne pas suivre tes émotions, de ne pas suivre juste tes pensées, tes hypothèses, parce que tout ça pourrait te mener où? Tout ça pourrait t'égarer. Regardez comment les mots sont durs. Allah est en train de dire à Sayyidina Daoud, si tu émets un jugement sans suivre Al-Haqq, Al-Adl, la vérité absolue, de faire attention, d'être sûr, de bien connaître tous les éléments, d'avoir bien pris en compte la vérité et d'émettre un jugement qui est juste et équitable, alors tu es en train de suivre ton hawa, des hypothèses, des émotions, des passions.
c'est pas la vérité qui t'a mené vers ce jugement. C'est pas la compréhension bien et logique et pure et dure et impartiale de la situation qui t'a permis de prendre ce jugement, non. Tu étais stressé, tu t'es dit « Ah, mais lui, il a une tête comme ci, comme ça, bah, ça doit être lui le méchant, ça doit être lui le gentil. » Tu as suivi ton amour pour une personne, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon fils, c'est mon fille. Tu as été influencé par tes émotions. Et donc ton jugement est en train de suivre al-hawa, ni al-haq, ni al-adl. Tu es en train de t'égarer. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ça t'égarerait du chemin d'Allah. C'est grave. Et donc ce premier conseil, j'insiste dessus, il est vraiment, vraiment, vraiment très important. Combien de fois est-ce qu'on n'est pas équitable, par exemple, avec nos enfants et qu'on fait du favoritisme pour l'un ou pour l'autre? Combien de fois est-ce qu'on n'est pas équitable envers les gens dont on est responsable? Je suis responsable, je suis chef d'entreprise, j'ai des personnes qui travaillent pour moi, des salariés, j'ai le devoir d'être équitable envers mes salariés. Je suis chef d'équipe, je suis manager, j'ai des personnes qui travaillent dans mon équipe, j'ai le devoir d'être équitable. Je suis chef de famille, je suis papa, je suis maman, j'ai le devoir d'être équitable. Combien de fois est-ce qu'on prend des décisions par favoritisme pour un tel, par réseautage avec un tel, parce qu'un tel est mon ami, un tel vient de mon école, un tel a la même couleur de peau que moi, un tel a la même nationalité que moi, un tel est proche de moi, un tel est l'ami de l'ami de l'ami de un tel, de mon meilleur ami, alors je le fais passer avant les autres. J'ai un entretien d'embauche et je ne vais pas recruter celui qui a le meilleur CV, mais celui qui a le meilleur réseau, celui dont, qui est l'ami de mon ami. Subhanallah, subhanallah. On fait ça avec nos proches, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos collègues, avec les gens qui travaillent pour nous, avec nos salariés, avec nos équipes, avec les commerçants. Subhanallah. Et lorsqu'on voit la dureté et la gravité de ce qu'Allah nous demande, Inna Allah ya'murukum. Allah vous ordonne. Vous n'avez même pas à réfléchir. Je ne vous demande pas votre avis. Allah ne vous demande pas votre avis sur ce sujet. Vous n'avez pas plusieurs choix. Ce n'est pas Subul as-Salam. Il n'y a pas 50 manières d'être juste. Soit on est juste, soit on est injuste. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est blanc ou noir. Est-ce que je suis juste dans ma manière de prendre des décisions à chaque fois que je suis dans une position où ma parole, ma décision est celle qui va donner les conséquences, la solution, le choix, l'équité ou l'injustice? Est-ce que nous sommes des gens justes? C'est le premier conseil qui est dur que je me donne à moi et à chacun d'entre nous. Le deuxième conseil qui est important, c'est de comprendre aussi que Allah nous invite à nous lever contre l'injustice, à défendre les personnes opprimées. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite aussi, en plus d'être juste lorsque je suis en train de prendre une décision, de me lever lorsque je vois une injustice. De me lever, si je suis capable d'agir, j'agis. Si je ne suis pas capable d'agir, alors je parle, je dénonce l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si je ne suis ni capable d'agir pour lever cette injustice, que je ne suis pas capable de dénoncer par ma parole cette injustice, alors le minimum, c'est de détester cette injustice dans mon cœur, de faire des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wa dhalika adhaful iman ». Ceci est le plus bas niveau de la foi. Plus bas niveau de la foi. Combien de fois est-ce qu'on voit des gens opprimés autour de nous? Combien de fois est-ce qu'on a vu des gens maltraités autour de nous? Combien de fois est-ce qu'on a vu des guerres injustes autour de nous? Combien de fois est-ce qu'on a vu des gens torturés dans certains pays à la télé autour de nous? Combien de personnes à travers le monde sont opprimées, subissent des injustices quotidiennes? Parfois c'est à l'autre bout du monde et parfois c'est juste en bas de chez moi. Et combien de fois est-ce qu'on s'est levé nous contre l'injustice? Est-ce qu'on a décidé de faire quelque chose pour redonner leur dignité, rétablir la justice, rétablir l'équité de ces personnes-là?
Et encore une fois, Allah nous donne le choix. Si je ne peux rien faire, est-ce que au moins je suis touché par l'injustice et est-ce que je fais des invocations pour ces personnes opprimées? Et Allah nous le dit. Il le dit même à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que parfois, malheureusement, on ne peut rien faire. Parfois, les conflits internationaux sont bien plus grands que nous. Parfois, les oppresseurs sont bien trop forts. Certains dictateurs aujourd'hui sont bien trop forts pour que moi ou vous, on puisse les combattre. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصْبِرْ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَ حُكْمُ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Suis ce qui t'a été révélé. وَصْبِرْ. Et sois endurant, patiente. Je sais que c'est dur. Et attends. Attends quoi? حَتَّى يَأْتِيَ حُكْمُ اللَّهِ. Jusqu'à ce que le jugement d'Allah intervienne. Et ça, c'est très important de le comprendre aussi lorsqu'on se lève contre l'injustice. C'est que parfois, on est pieds et mains liés et que, mis à part les invocations, on ne peut rien faire. Mais malgré cela, nous, en tant que croyants, nous avons la certitude absolue que Allah est Al-Hakam. Et nous vivons ce nom d'Allah Al-Hakam. Et nous lui demandons de donner justice le jour du jugement pour toute injustice, tout opprimé qu'on n'aura pas réussi à sauver dans cette vie. Et croyez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakam. Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera jamais l'injustice d'une maman qui a vu son enfant se faire tuer, d'une personne qui a vu son mari ou son époux ou ses enfants se faire tuer devant ses yeux, d'une personne qui a été violée, des larmes d'une maman à qui on a arraché ses enfants, d'une personne qui s'est retrouvée jetée à la rue alors qu'elle n'avait rien fait. Allah subhanahu wa ta'ala est à côté de l'injuste. Il est avec l'injuste. Il accepte l'invocation de l'injuste et il rendra justice à toutes ces personnes le jour du jugement. Alors on dit à tous ces dictateurs, tous ces bourreaux, toutes ces personnes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensent que la dignité des êtres humains ne vaut rien, que humilier un être humain c'est gratuit, que tuer un être humain c'est possible, que torturer un être humain c'est possible, que voler un être humain c'est possible, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'être humain est plus sacré auprès d'Allah que la Kaaba en elle-même, que le sang de l'être humain est plus sacré auprès d'Allah que la Kaaba, que tuer un être humain est plus grave auprès d'Allah que détruire la Kaaba autour de laquelle les croyants font le Hajj et la Umrah tous les jours jusqu'au jour du jugement. Vous imaginez la sacralité de l'être humain, de sa dignité? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, qui accorde autant d'importance à l'être humain, rendra justice. Al-Hakam rendra justice. Alors à tous ceux qui font du mal aux autres, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de nous repentir. C'est le moment d'arrêter de faire du mal et de craindre Al-Hakam subhanahu wa ta'ala. Parce que le jour du jugement, il rendra justice. Et rien ne sera laissé. Aucun élément ne sera laissé au hasard. La troisième et dernière manière de vivre ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est de faire attention à ne pas émettre des préjugés. Et ça, c'est une des autres traductions de hakama yahkumu. C'est émettre un jugement. Et il y a cette notion d'émettre un jugement lorsque je suis dans un poste de décision, émettre un jugement lorsque je suis responsable de personnes, émettre un jugement lorsque je suis dans un tribunal. Et il y a aussi émettre des jugements entre les êtres humains parce qu'on se juge les uns les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran
l'histoire de ces gens de Quraysh, par exemple, qui lorsqu'ils avaient le malheur d'apprendre que leur nouveau-né était une fille, eh bien, ils ne savaient plus où se mettre. Allah nous dit « Yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih » Ils se cachaient littéralement. Et ils ne savaient plus quoi faire. « Ayadussuhu fit turab » Ayumsikuhu ala hun in am yadussuhu fit turab » Est-ce que je ne vais pas, subhanallah, enterrer mon bébé nouveau-né pour cacher cette honte qui est le fait d'avoir une fille? Et qu'est-ce que Allah dit? Sa'a ma yahkumun. Quel mauvais jugement, quel pire jugement, quel pire état d'esprit. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala répète cette phrase plusieurs fois dans le Coran. Sa'a ma yahkumun, ma lakum kayfa tahkumun. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette réflexion, ce jugement, ce préjugé, cet état d'esprit, cette idée préconçue, un jugement? Et donc la troisième et dernière manière de vivre ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire très attention à nos préjugés. Parce que très souvent, on voit une personne devant nous et on va l'étiqueter à cause de sa manière de s'habiller, à cause de sa manière de manger, à cause de sa manière de se coiffer, à cause de sa manière de parler, à cause de sa couleur de peau, à cause de sa religion, à cause de son CV, à cause de son travail. On va s'amuser à étiqueter les gens. Et on va s'amuser à juger les gens. Juger les gens sur des apparences, juger les gens sur une parole, juger les gens sur une erreur ou une bonne action. Parfois, les personnes font devant nous une bonne action et on dit que c'est le pieux des pieux des pieux. Et c'est un saint qui est devant nous. Et une personne va dire une bêtise ou faire une erreur et ça va devenir pour nous le pire des êtres humains. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à connaître ce qu'il y a dans le cœur des croyants et des croyantes, ce qu'il y a dans le cœur des êtres humains, ce que les gens vont devenir demain, ce qu'ils étaient hier, leur contexte, leur situation, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ci ou comme ça? On n'a pas le droit de juger les gens. On n'a pas le droit de juger les gens sur leurs apparences. La seule chose qu'on a le droit de faire en islam, c'est de juger les gens sur des faits pour un conflit donné en mode tribunal. Ça, c'est autorisé. Et on le fait avec justice, avec équité et en suivant la vérité. Mais juger les gens sur des apparences, juger les gens sur des a priori, juger les gens sur un mot, sur une phrase, se faire une idée d'eux, étiqueter ces gens comme ça, transmettre ce qui est pire, médire, calomnier et propager une image d'une personne que moi-même j'ai construite sur un jugement totalement faux, c'est très grave. Et malheureusement, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Et Allah dit à chaque fois que ça se produit, Ma lakum kayfa tahkumun, sa'a ma yahkumun. Qu'est-ce que c'est que ces jugements que vous faites? Comment est-ce que vous avez pu faire un tel jugement? Comment est-ce que vous avez pu réfléchir comme ça? Est-ce que c'est de la vérité? Est-ce que c'est le haqq? Est-ce que c'est juste ce que vous faites? Est-ce que c'est l'adl de juger une personne sur son apparence, sur sa couleur de peau, sur une parole, sur une erreur, sur une réussite? C'est ni le haqq, ni l'adl. Donc essayons, en troisième conseil, d'éviter les préjugés, d'éviter de juger les gens sur des apparences et de rester factuel, de rester juste et de se baser sur la vérité, uniquement sur la vérité et la justice, uniquement la justice, même dans nos comportements quotidiens et nos relations quotidiennes avec les êtres humains qui nous entourent. Je vous dis à la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى